Yo les soldats, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un jeu que j'attends énormément, Ready or Not. Ready or Not est un FPS tactique développé par Void Interactive et édité par Team 17 où l'on incarne des membres du SWAT appelés à intervenir sur des situations délicates comme par exemple des prises d'otages. Il devrait être disponible d'ici la fin de l'année, mais les développeurs précisent sur leur FAQ qu'il y aura du retard suite à la situation sanitaire que nous vivons actuellement. Une bêta était prévue courant juin pour les personnes qui ont précommandé la version standard sur le site officiel, mais celle-ci devrait être également retardée. Il existe par ailleurs un pack supporter qui vous permet de jouer dès maintenant à l'alpha, mais il est assez cher et je vous conseille de patienter, sauf si bien sûr vous voulez aider financièrement au développement. Ready or Not aura des modes de jeu PVP et PVE, mais je vais me focaliser sur la partie PVE qui sera jouable en solo comme en coopération et qui à mon goût sera plus intéressante et plus immersive si le jeu tient toutes ses promesses. Si vous êtes amateur de FPS tactique, vous connaissez sûrement la licence SWAT et notamment la dernière version de cette licence, le très bon SWAT 4. Eh bien Ready or Not devrait proposer le même type d'expérience mais en mieux. Vous allez me dire que c'est normal car SWAT 4 est sorti en 2005, mais quand on regarde bien, aucun jeu n'a pris la relève de SWAT 4. Je n'oublie pas Zero Hour, mais Ready or Not a l'air de mettre la barre un peu plus haute avec de meilleurs graphismes et de meilleures animations. Ce qui fera la différence entre Ready or Not et Zero Hour, ce sera surtout l'intelligence artificielle des bots alliés et ennemis lors de la co-op. Les vidéos qu'on a pu voir pour le moment nous donnent très peu d'informations concernant les réactions des IA, mais les développeurs savent que c'est un des points les plus importants pour ce type de jeu. Mais quand je vois les réactions des IA sur SWAT 4, je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que l'IA ne soit pas opérationnelle sur Ready or Not, mais on pourra seulement en juger dès qu'on aura le jeu en main. Talk reporting. Entry team, you're clear to make entry at Wendley. Guest entrance. Use the wand. Check for targets. Okay, mirror gun ready. There's a lot of them, and they all have guns. Dans Ready or Not, il sera possible de planifier votre opération après avoir pris soin de lire le briefing et de vous équiper en conséquence avec plus de 60 objets uniques à votre disposition. Il sera donc possible de personnaliser les armes et autres équipements, mais ne vous inquiétez pas, il ne devrait pas y avoir d'armes en or ou autres traits Heroes Fluo. Vous l'avez compris, le jeu se voudra réaliste et de ce que nous avons pu voir en vidéo, la balistique et la pénétration des balles seront de la partie, les déplacements de nos avatars seront plutôt lents et la communication entre opérateurs primordiale. Une dizaine de cartes devraient être disponibles à la sortie du jeu et elles seront conçues pour des scénarios tactiques avec du combat rapproché. Le tout se passera dans un premier temps aux États-Unis, mais les développeurs précisent dans leur FAQ que des extensions futures pourraient voir le jour et proposer des scénarios de missions se déroulant dans d'autres pays. Vous me voyez venir, il se pourrait qu'une extension où l'on incarne des membres du GIGN ou du RAID pourrait voir le jour, mais je vais arrêter de me faire des films et déjà me satisfaire de ce que le jeu proposera à sa sortie. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos de gameplay, les informations présentes sur la TH sont minimes et si vous voulez connaître l'état de votre chargeur, il faudra le faire manuellement, un peu comme on peut le voir sur Escape from Tarkov. Tout est fait pour que l'immersion soit présente et la roue circulaire permettant de changer d'équipement a l'air autant efficace que discrète. Talk to TAC-15. You have compromised authority to make entry on Site 1. How copy? Roger that. Comme dans SWAT 4, il sera possible d'ouvrir les portes de plusieurs façons, comme par exemple poser une charge de C2 au-dessus de la poignée, utiliser le lockpick pour déverrouiller la serrure ou même utiliser un bélier pour défoncer la porte. Mais avant de faire tout ça, il faudra bien penser à regarder à l'aide de votre caméra si une porte est piégée et si des ennemis ou otages se trouvent à l'intérieur de la pièce. Plusieurs types de grenades et autres accessoires permettront de neutraliser les ennemis, mais imaginons que ces derniers soient durs au mal, qu'ils n'aient pas entendu nos sommations ou tout simplement qu'ils n'en ont rien à faire. Nous serions obligés d'utiliser la force et au mieux, utiliser des armes non létales comme par exemple un taser. Au pire, utiliser des armes létales comme par exemple le HK416. Et pour finir, n'oubliez pas de passer les menottes aux opposants comme aux civils et surtout de récupérer les armes et autres preuves. Bref, sur le papier, la marche à suivre a l'air simple, mais sur le terrain, le risque est énorme et chaque décision prise par un opérateur pourra sauver des vies ou tout simplement faire échouer la mission. Voilà, cette vidéo de présentation s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur Ready or Not et notamment des vidéos de gameplay dès que je serai autorisé à vous en montrer. En attendant, je vous laisse avec une petite vidéo de gameplay PVE en coopération que les développeurs ont sorti récemment. Portez-vous bien, si elle est jeune.